Yo les bros, c'est JB, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette Platinum démo de Final Fantasy XV. Je sais pas du tout si on fera plusieurs épisodes ou pas, mais en tout cas, je suis super heureux de vous retrouver de nouveau sur une démo de Final Fantasy XV. Ça va faire un an, il me semble, que j'ai sorti ma dernière vidéo sur Final Fantasy XV, sur la démo précédente du Sky épisode. Et je suis vraiment très heureux aujourd'hui de recommencer une nouvelle démo avec vous. J'ai juste envie de dire, jouez. Coucou, tu peux lire ce message ? Regarde devant toi. Kimi ? On est dans ton rêve. Ok, donc c'est les mêmes touches que dans la précédente démo, pas de soucis. C'est une démo technique assez impressionnante. Je me suis rien spoilé. J'ai rien été voir sur internet par rapport à la... Comment dire? À la démo ou quoi. J'ai juste... j'ai rien fait. J'ai juste regardé à quoi ça ressemblait. N'aie pas peur, il est gentil. Et j'avoue que rien que là, déjà, je me prends une énorme claque. C'est vraiment super beau. On en a manqué. Non, on les a tous eus. Bien joué, JB. Okay, c'est très très contemplatif. Hein. Tu es plongé dans un profond sommeil. Tu dois trouver la force de te réveiller pour rejoindre ceux qui t'aiment. Ok. Ah, ça, c'est pour donc faire l'alternance jour-nuit, j'imagine. Le temps avance rapidement. Ok. C'est très très beau. Il y a un vrai côté Kingdom Hearts. Ce qui est très très agréable quand même. C'est magnifique. Oh là là. Ouais, c'est très 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 beau. Ah, et puis la lumière qui descend au fur et à mesure, c'est vraiment super bien fait quoi. Tant que tu es avec moi, tu ne crains rien. Bah merci Carbuncle. Allez, saute! Accroche-toi! Non, tu veux pas? Ok, pas de soucis. Hop! Ah, j'ai oublié quelque chose que tu m'attends là? Je grimpe là-bas? Ah non, il y a une dalle, j'avais pas vu, excuse-moi. Oh, on va faire pleuvoir? La météo change brusquement! Donc là, c'est nuageux. Et si je remarche un coup? Il pleut, c'est ça? Ok, avec la pluie qui tombe dans l'eau, avec les petites éclaboussures et tout, c'est magnifique. Ok, d'accord. Donc on va remettre le soleil. Voilà, nickel. Allez, on y va. Hé, on a de la visite! Prends ça pour te défendre! J'ai une épée factice. Donc appuyons sur le pavé tactile pour équiper une arme.
Donc j'ai l'épée factice et le marteau queener. Donc j'imagine qu'on va pouvoir faire les mêmes types d'enchaînements que dans les autres. Mais revenez, revenez les gars, arrêtez de fuir là. Ouais, c'est ça, ok, d'accord. Hop, 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 eh oh. Reviens là, reviens là, reviens là. Mange-toi ça, ça. Et je t'enchaîne ensuite au marteau. Excellent. Allez, eh oh. Est-ce qu'on peut faire le lancer? Non, on peut pas. Non, non, mais arrête de courir, arrête de courir, viens là. Voilà, allez, va te coucher. Oh, attends, je te ramasse, toi. Oh, excellent, le coup du SMS qui t'envoie avec le truc pour te féliciter, avec le petit la petite corne et les confettis. Pas mal. Ok, c'est vraiment super beau. Là, il y a encore des... Par ici, peut-être. Non, attends, je ramasse les trucs, mec. M'en veux pas, mais collectionnite, hein. Oh, là, il y a un point d'exclamation. Vous ressentez une puissante aura. Ok. J'arrive, j'arrive, t'en fais pas, t'en fais pas, t'en fais pas. Oh, c'est les grenouilles. À la fin du Sky aussi, on devait récupérer un maximum de grenouilles. Ok, donc cette puissante aura, c'était ça. Pas de soucis. Suis-moi, n'aie pas peur, il suffit de sauter. Ok. Dans la gamelle. Alors, où est le prochain passage? Ouais, alors là, ça me fait clairement penser à Kingdom Hearts quand on est dans le monde d'Alice. Qu'on est vraiment tout petit, que les tables sont gigantesques et tout. Ok. Très agréable, très joli, hein. Tiens, j'ai un truc sympa à te donner. Éclat du rubis. Feu d'artifice x10. Équipez Noctis des feux d'artifice. En appuyant sur rond. Ok, pas de soucis. Donc là, j'imagine qu'il va falloir qu'on ramasse un maximum de pierres. Quoi là-bas? Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai trouvé! Ouais, bah attends, je vais ramasser des pierres. Sur la table! D'accord, ok. Bah alors attends, on va déjà découvrir ça, ce que c'était. Ah, là il y en a d'autres. Voilà! Ouais mec, attends, fais ta vie de ton côté. En haut! Noct! Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, j'arrive. On a juste quelques pierres, m'en veux pas. Monte sur la table! Ouais, ouais, j'arrive, j'arrive, t'inquiète, t'inquiète. Qu'est-ce qu'on a ici? Voiture? What? On s'est transformé en voiture? Ok. Ah donc en tant que voiture, je ne... Ah si, je les ramasse, c'est bon. Où est la hitbox exacte pour ramasser les pierres? C'est droit devant, je pense. Non. Ok. Oh, il y a des monstres, excellent. Alors, redevenir, comment est-ce qu'on fait? Redevenir Noct. Voilà, nickel. Salut les gars! Oh, le marteau il déchire quoi. Bim! Allez, va te coucher. Au revoir. J'ai dit au revoir. Et contre le dernier, on va utiliser ça, les feux d'artifice. Excellent, pas mal, pas mal. Pas incroyable, mais plutôt puissant quand même. Bon, où es-tu le dernier? C'est là-bas, ok. Coucou. Et là, bim, coup de marteau. Ah mince, le coup de marteau en fait il est pas assez
Bon, hop. T'es mort ? T'es mort. Comment dire ? Le problème du coup de marteau, c'est qu'il est pas assez rapide. Ou qu'il a pas une assez longue allonge. Genre, je me retrouve à devoir courir après le mec. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? On n'a plus rien. Ok. J'ai vu qu'on avait une dalle. Elle est juste là. Cette dalle est verrouillée. Ok, j'imagine qu'il va nous falloir trouver des nouveaux cristaux. 90. Ça va, je devrais en avoir 100 rapidement là. 96. Et 200. Ah bah voilà, ça les a ouvertes. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? Transformé en voiture. Est-ce que l'autre s'est déverrouillé ou pas ? Oui, l'autre s'est déverrouillé. Qu'est-ce qu'on a ? Un cadeau. Épée étincelante. Ah bah cool ! On va la mettre là. On va pouvoir la tester comme ça. Et j'imagine qu'il y a d'autres trucs à découvrir en fouillant un peu. Tac, retransformation en voiture, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah c'est pas la même ! Ça c'est très très cool ! Donc là on en a une autre, qu'est-ce qu'on a ? Ah c'est une autre voiture, pas de soucis. Ah, là je l'ai vu. Ils sont un peu cachés. Ah y a pas de... s'y reculer avec L2, d'accord. On peut pas les écraser ? Non. Boum ! Alors là, clac. Et on attaque. Oh, elle est vachement plus stylée celle-là. Et bah alors, on fait moins le malin, mec. Bim. Allez, va te coucher. Si on enchaîne les deux épées, qu'est-ce que ça fait? Si j'enchaîne celle-là, et qu'ensuite je la transforme, et que je la réenchaîne. Oh, stylé. Ok, et là, on le finit avec un coup de marteau. Ah non, tu t'es tourné, mec. Ah, c'est... ok, il était mort. Hop. Oh. Oh, le one-shot. Le petit one-shot qui fait plaisir. La maniabilité est super cool. C'est très très fluide. Ça va vite. C'est très agréable. Alors j'imagine que c'est une autre voiture. Ah non, c'est pour alterner. Ah bah tiens, on va passer la nuit. Parce que ça... oh, l'effet de lumière de malade. Ah ouais, donc la nuit il fait vraiment nuit. Hop, on va s'arrêter comme ça, c'est stylé. Qu'est-ce qu'on a par là ? Mur invisible, ah non, on peut y aller, ok. Des monstres, j'imagine. Ah non, des autres, oh. Un gros, génial. Cool, ok. Donc on va reprendre une voiture, si on en trouve une. Ouais, là il y en a une autre. Quel est ce petit modèle de voiture ? On va aller de l'autre côté de la carte, visiter vite fait. Ah, elle est rouge cette fois, plutôt stylée. Donc, de nouveau, des cristaux à ramasser. Pas par là en tout cas. De l'autre côté, j'imagine. Ok, donc là, ça sera la descente pour se transformer en voiture ensuite. Et là, il y a quelques mecs. De toute façon, on a une super nouvelle épée. Oh, elle fait tellement mal comparé à la première. Et là, si on switch, bim, switch, clac, on re-switch. Petit enchaînement. Bonne nuit, les gars. Hop, coup de marteau. Oui. Oh, je l'ai bien placé celui-là, ça c'était cool. Ok, par contre la vie de Noct, elle est où? Il frappe, 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 frappe. Il est tourné, vas-y. Voilà, cool. Donc on va juste aller voir de ce côté d'abord. Je pense qu'il y aura encore quelques cristaux peut-être. Ah non, que dalle, ok, on s'est fait avoir, merci. Cool les gars, merci. Hop. On s'est bien fait avoir, merci, cool.
Ah, on a réussi à le prendre. Est-ce qu'on va réussir à... Non, il faut qu'on refasse tout le tour. Ah non, on peut passer par là. Ha! Ah, le game mieux a essayé de m'avoir, mais j'ai réussi à le battre. Allez, tout droit. Tout droit. Tout droit. Non. Non, sur la tranche. Sur la... Parfait. Ah! Allez, pour un cristal, tu vas pas... Allez, on y va. Doucement. Oui! Et donc j'en ai vu un autre. Ah, c'est là-haut, ok. Donc ici, on peut redescendre pour en rechoper. Donc on le fera après. Allons choper ceux qui sont ici d'abord. Oh oui. Oh oui. Du cristal. Ok, et là, on descend. Allez, tout droit, tout droit. Tu échappes tous, tu échappes tous. Allez. Yes. Voilà, ça, c'est comme ça qu'on fait. Ok. Allons par là-bas, je pense qu'il y a... Ah, elle est jaune cette fois, cool. Je pense qu'il y a des monstres sous ce canapé, non? Non, même pas. Qu'est-ce qu'on a là? Une autre voiture. Une autre voiture. Et celui-là, c'est quoi? Ah, celui-là, je vois pas. Ah, c'est encore l'alternance jour-nuit, ok. Donc, est-ce qu'on peut passer par ici? Ou c'est trop? C'est trop. Donc, bon. Oh, je les avais pas vus ceux-là, merci. Ah, faut passer par là. Alors, il y a un moyen de monter. Ici, ouais. Allons-y. Escalade, bim. Alors, quelle est la deuxième étape? On tryhard. Ça m'a pas l'air d'être par là, la deuxième étape pour grimper. Par ici. Ouais, par ici plutôt. Sur les bords des lieux. Yes! Non. Par là. J'ai peut-être rêvé en fait. J'ai plus l'impression qu'il y soit. Je l'ai complètement imaginé ou quoi? Ah non, ils sont là, d'accord. Hop là. Oh, salut les gars. Non, le gros. Ouais, bon, le petit d'abord si tu veux, mais après, faudra s'occuper du gros. Oh là, oh là. Hop là, ramasse ça. Hop, et là. Bim, enchaînement. Tac, première épée. Deuxième épée. Et là, marteau. Allez, remets un coup de marteau. Ah non, il est mort, cool. Bien joué, mec. Ah d'accord, c'était pour ressortir qu'on les avait vus en fait. Oh c'est stylé, c'est vraiment joli hein. C'est... Même si là techniquement il n'y a pas des effets de lumière de malade et tout. C'est vraiment super agréable. C'est fluide, c'est rapide. Et c'est très joli. Ok bien, nous allons enfin pouvoir passer sur la table. Donc on va prendre une petite voiture. Tac. Et là on speed. Boum. Et là, on ramasse. Il y a encore des mecs, cool. Oh, on peut pousser la balle, excellent. Ok, on switch, prends l'épée. Bien joué. Ok, là-bas il y en a un autre. On prend la première épée. On switch. La deuxième. Allez, toi. Oh là! What? Comment il m'a poussé, genre en mode non, tu descends.
Ok, d'accord, tu veux la jouer comme ça. J'arrive, je remonte, j'arrive. T'inquiète pas. Je sais pas si vous avez vu la couverture du bouquin, là. C'est les monstres qu'on voit dans... dans du Sky épisode. Enfin, dans l'épisode du Sky. C'est marrant. Oh, ah ouais, d'accord, alors toi... Comment ? Ah, peut-être en montant sur le goulot ? Sur le goulot de la bouteille ? Ou en montant par ici ? Non. Excellent ! Alors là, je suis bloqué. Mais très très bonne idée, les gars, bravo. Excellent. Tu peux faire tomber les... Excellent ! Ils ont vraiment poussé la physique très très loin, c'est très très cool. Bon, je me suis peut-être empêché de pouvoir récupérer ce cristal au final, mais peut-être qu'en montant sur la bière... De ce côté-là, peut-être. Ah, son saut est un poil trop court ou quoi? Son saut est un poil trop court. C'est excellent d'avoir poussé le truc à ce point-là, je trouve ça très très chouette. Bon, c'est pas grave, on laissera ce diamant ici, enfin ce cristal. On avance. Où est le dernier loup? Oh, il est là-bas, ok. Boum! Merci. Ah bah, il y a un gros cristal. Ah, un autre cadeau, cool. Des bombes foudre. D'accord. Alternant jour, ok. Hop là, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a les... Est-ce qu'il y a un truc dans les tasses ou est-ce qu'on peut pousser? Non, on peut pas pousser les tasses. Par contre, le ballon, on peut le pousser. Excellent. Ok. Ok, j'ai fait s'effondrer la... Non, qu'une partie de la structure, ça va. Ok, j'ai cru que tu pouvais réellement tout faire s'effondrer. Boum. Allez. Oh, c'est beau. Non, ouais, j'arrête pas de le dire, je m'en rends compte, mais je trouve ça vraiment hyper beau, quoi. Allez, niveau suivant. Oh, les musiques sont magnifiques. Hein. Il y a un long couloir dans cette ville qui mène vers l'issue du rêve. Ok. Cherchons-le ensemble. Oh, il pleut, c'est magnifique. C'est super. Oh, un autre cadeau, cool. Le marteau étincelant. Alors, voyons voir. Donc là, on avait le marteau Queener. Nous allons passer au marteau étincelant. Hop, équipé. Ah, il y a des monstres derrière, on va pouvoir direct le tester. Allez, bim. Ah oui, en fait, il a plus rien à voir. D'accord. Celui-là, il frappe vachement plus fort, quand même. Regarde. Bim. Et là, coup d'épée, et c'est fini. Oh, Carbuncle, il me suit, il est trop mignon. Non, non, attends, toi, regarde. Boum. Boum. Et là, coup d'épée. Alors ça me transforme en quelque chose, apparemment. Énorme. Ok, pas mal du tout. On a quoi là? Ok, ça c'est pour retirer la pluie, mais j'aime beaucoup la pluie pour le coup. Elle est vraiment très très belle. Donc on va la laisser. Là, est-ce qu'on a oublié un petit passage? Effectivement. Donc on ramasse ça. Voilà, merci. Tac. 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 Qu'est-ce qu'on a? Une autre transformation? Non, alternant jour-nuit. On n'y touche pas. Salut les gars. Bim. Coup de marteau. Te fais pas frapper. Ok, je me suis fait frapper. Dommage. Il y en a un qui s'est enfui. Bon, pas grave. Récupérons. J'ai vu qu'il y avait un gros cristal juste là. Voilà, cool.
Et là, c'est encore l'alternance. J'ai pas envie de changer, les gars, mais laissez-moi, quoi. C'est ultra stylé, quoi. Là, pour faire apparaître... Oh, cadeau! Des bombes météorites. Ok. Coup de marteau, boum! Oh là, je me suis fait taper là, mais vénère. Ok, coup de marteau, boum! Allez, salut. Nouvelle transformation? Non, c'est encore pour changer. Moi, je voudrais une nouvelle transformation, s'il vous plaît. Là, c'est pour faire réapparaître des monstres, j'imagine. Tac. Ça doit être là! Ouais, non, mais c'est bon, on va pas y aller maintenant. On visite un peu avant. Stylé la petite roulade pour se réceptionner. Hop hop hop, salut les gars. Tiens, cadeau. Boum. On recule, bim, cadeau. Ok, alors là on s'est pris un coup mais vénère. Ok, c'est bien ça, donc quand on se prend des coups, ce sont les cristaux qui disparaissent. On repasse à l'épée étincelante. Et les gars, j'en ai pas fini avec vous, revenez. Vous êtes gros. Boum. Allez, va te coucher toi. Ah t'es... Ok. Bim, dans ton dos. Clac, allez, salut. J'en ai vu un là-bas, ouais. Coucou. Bon, allez, donc là c'est quoi? C'est... On va passer au jour. Ah non, on passe par la nuit. Oh, les lumières sont magnifiques. Donc là c'est la nuit complète avec les étoiles. Et là on repasse au jour. Ok. Donc là c'est une autre bête ou c'est encore l'alligator? Oh excellent! Très très cool. Ah je peux pas passer par contre. Ok. Bombe de pluie. Ok. Bon je pense qu'on a chopé toutes les armes qui étaient dispo dans cette... dans ce petit niveau. Passons à la suite. C'est vraiment beau. Hein. Je... Non, attendez, je voudrais juste voir, est-ce qu'il y a un truc pour arrêter la pluie? Ouais, ici. Donc on va passer en mode soleil. Oh là là. Ok, alors, on va pas appuyer sur le monstre, on va appuyer sur le point d'interrogation. Ok, ils m'ont refilé des feux d'artifice. Pas de soucis. L'issue de ton rêve est à l'endroit où tu te sens le plus en sûreté. Je sais que tu adores dormir. On va peut-être tomber sur ton lit. Eh oui, je te connais très bien. Allons voir ce qui nous attend. C'est l'entrée de la citadelle ? Oh, c'est beau ! Oh là 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 !
claque quand même. Bon, allons-y. C'est vraiment là que tu te sens le mieux ? Attention au titan ! Oh, Carbuncle ! N'aie pas peur ! Je te protégerai des pires cauchemars ! Oh, excellent ! Oh oui, le Noctis adulte, donc celui de la démo. C'est toi, Noct ? Ouais, mec, t'inquiète. Ok, donc on a des nouvelles armes. Oh, bien ! Donc, la vraie question, c'est... Est-ce qu'on a le... Oh là. Non, 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 non. On s'est pris 38 dans la dent, ok. Qu'est-ce qu'on a en tant que... Boule de feu ! Ok, d'accord. J'ai fait une énorme erreur, là. Bon, allez, vas-y, on le tape, mec. Oh oui ! Alors, celle-là, je crois qu'on l'avait déjà dans la démo. Elle était très, très stylée. Donc, on va le faire venir jusqu'ici. Alors, voyons voir comment on fait. Ah, j'en ai plus de feu d'artifice. Génial. Tiens, hé, mec, je suis là. Viens là. Ok, 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 j'esquive, j'esquive, j'esquive. On court, on court, on court, on court, on court. C'est quoi, là ? Point d'interrogation ? On le chope. Regagne des PM. Ok. Mais là, là, le problème, c'est que c'est pas des PM dont j'ai besoin, c'est juste... Oui, j'ai réussi à l'éviter. Ok, cool. Ok, le fight a l'air ultra chaud, quand même. En plus, il va hyper vite comparé à moi. Hop, petite esquive. Oui, bien joué. Ok, et là, on frappe. Vas-y, frappe-le. Ok, donc ça sert à rien de frapper son épée. Ouh. Eh, mais il est vénère. Ouh, 155. Ok, vas-y, on se barre, on se barre, on se barre. Oh là, oh là, oh là, bouge, 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 bouge. Wouah. Comment j'ai pris trop cher. Là-bas, elle brille. Je sais pas ce que c'est, on va aller voir. Énergie élémentaire. Ah cool, il nous refile du feu. Ça c'est sympa. Non mais j'allais l'esquiver, c'est abusé. Téléportation en éclipse sont apparues. Oh oui, merci. Ok. D'accord, je l'ai complètement raté là. T'inquiète pas, je le raterai pas une deuxième fois. Allez, viens. Ah, t'as peur du feu ? Non. Y'a pas moyen de le lancer un peu plus loin ? Ok. Non ! Pourquoi t'as fait ça ? Oui ! Ok, d'accord, c'est ça qu'il faut faire, ça lui fait vraiment mal. Ok, donc là, bim, on accélère, il nous enfile. Vous pouvez maintenant invoquer les armes fantômes. Ok, donc ça, c'est ce qu'on débloquait à la fin de la démo de l'épisode du Sky, c'est-à-dire qu'en fait, en appuyant sur L1 et R1 en même temps, on déclenche les armes fantômes qui volent autour de nous et qui nous permettent de faire des gros, gros, gros dommages. Et de se prendre aussi des grosses, grosses patates par la même occasion, mais là... Voilà, ça le finit mais direct. Et normalement quand la jauge s'épuisait, on récupérait une sorte d'attaque finale qui était ultra stylée. Bravo, tu as réussi. Ah, je me suis retransformé en enfant. Tu vas pouvoir te réveiller. Les dalles de platine sont débloquées. D'accord, alors allons voir. Donc qu'est-ce qu'on a là déjà ?
Donc là, c'était pour la météo et l'heure. J'ai toujours mes armes ou pas? Ouais, mais il me les a changées. Donc ici, je revue mon épée étincelante. Et ici, mon marteau étincelant, s'il te plaît. Et on va mettre ça au cas où. Ok, donc celle-là, ça devait être pour regagner des points de vie, j'imagine, vu que l'autre, c'était les points élémentaires et que le troisième, c'était les PM. Pas de souci. Alors, voyons voir la fameuse dalle de platine. Il a dit les dalles de platine, donc il doit y en avoir deux. Peut-être une en haut des escaliers. Même s'il nous a montré l'autre endroit, j'imagine qu'il y a un truc qui est un peu caché. Non. Il n'y a rien de ce côté. Oh, c'est vraiment beau quand même. Ok, il y en a deux, elles sont droit devant. Pas de soucis. Ok, point d'interrogation, et l'autre là-bas c'est quoi? Ah, c'est pour refaire réapparaître le titan? Bon allez, on s'en refait un petit coup, j'ai trouvé tellement classe. On réinvoque le boss, hop, on prend bien l'épée. Voilà, c'est... Non, 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 ah mince. Est-ce que je vais réussir à la faire quand même? Non, c'est pas là, c'est là-haut. On l'a vu, il s'est... Ah. Ok, tac. Ensuite ils disent qu'il faut trouver le point pour monter. Voilà, nickel. Oh, c'est tellement stylé. Et l'autre il est là-haut. Voilà, c'est celui-là. Et maintenant il faut tomber. Il faut tomber. Ah bah tout simplement. Ok. Oui, on les a eu. Ok, donc nous voilà devant les deux cadeaux finaux du jeu. Donc on va attendre de récupérer nos points de vie. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Nous avons les étoiles de G. Et le bouclier de bravoure. Donc allons-y. Donc on garde le feu. On va remplacer l'épée large par l'étoile de G. Oh là là. Et celui-ci par le bouclier du brave. Oh, stylé! Ok, donc allons-y. Donc on va se raccrocher ici. Tac. T'es là, mec? Tiens. Ok. Oh, tellement stylé. Il se TP pour le faire, c'est oufissime. En fait, non, il se TP pas. En fait, il se sert du retour de son... du shuriken pour rester en l'air. Très très stylé. Ok, je vais juste prendre ça là. Tac. J'ai les armes fantômes qui sont prêtes en plus. Ah mais j'ai plus de peine. Ok, c'est pour ça. Oh, la petite esquive. Il court à une de ses vitesses. Ok. J'ai un peu flippé pour rien. Il a pas réussi à passer à longe. Allez, vas-y, réessaye là, mec. Oh, énorme. Allez. Bouge, mec, c'est pas une bonne idée, ça. Ouais, j'en étais sûr. Ok. Oh là, je suis presque mort. Ok, c'est bon. La fuite. Et on s'envole. Plus de PM. Ah, ça craint, ça. Ah, c'est bon. Ok. Donc là, lui, il est là-bas. Donc apparemment, le bouclier du brave, je suis pas obligé de l'équiper. Donc je vais remettre mon épée large et mettre ici l'étoile de G, qui était vraiment très très stylée. On va repasser avec l'étoile de G. On va se mettre ici. Et là, on le vise. Bim! Assaut éclipse. Il est à terre. On se transforme. Et là, on l'enchaîne. Oh,
Oh, je pensais de l'avoir esquivé, dommage. Quoi? Non, j'étais super loin, c'est abusé là. Cours mec, cours, cours, cours. Éclat de rubis, merci mec. Noctis regagne des points de vie, merci. Oh là, oh là, oh là. Voilà, petite esquive. Je récupère ça. Ok, là il est en mode vénère. Non, j'avais esquivé, c'est pas juste. Non, je l'avais esquivé encore une fois, c'est abusé. Ah, heureusement qu'il est là. Hein. Merci. Bim, allez, je me remets là-haut, je regagne quelques PM. On prend l'épée large, et dès que j'ai masse de PM, on... voilà, ce qui est fait, on lui refait un assaut éclipse. Voilà, bim, allez, on l'enchaîne. Allez, vas-y, on peut se le faire. Oui, voilà, donc comme ça on a pu voir les deux armes cadeaux qui ne se débloquent qu'une fois le boss battu, une fois, donc si vous voulez les avoir, faut suivre ce processus, c'est-à-dire battre le boss, le réinvoquer et aller directement sur la plateforme. Nickel. Continuons. Déclencher la dalle d'éveil pour sortir du rêve et terminer la démo. Oui. Oh, c'est la voiture de ton père. Je comprends mieux. C'est là que tu te sens le plus en sûreté. Tout le monde t'attend. Arigato. Bye bye. À bientôt. Merci d'avoir joué à la Platinum Demo. Ce rêve de Noctis que vous avez traversé n'est qu'un tout petit aperçu de l'univers de Final Fantasy XV. Un monde gigantesque attend Noctis adulte et ses amis dans Final Fantasy XV. Un monde nouveau qui vous attend également. À bientôt! Ok, donc la démo était très très cool, très courte. C'était surtout une démo technique, j'ai l'impression, plus qu'une démo jouable. Je fais un petit débrief vite fait, c'était très agréable à jouer. Cette version du jeu, parce que je pense qu'ils vont encore améliorer des choses, même si ça y est, la date de sortie est prévue, est très belle. C'est très très joli. J'avais énormément l'impression de jouer à Kingdom Hearts au début avec le niveau démesuré par rapport à nous. Pour les techniques de jeu, on se retrouve dans un menu un peu plus agréable peut-être que celui qu'on avait dans Duskae. Donc ça, c'était plutôt cool. J'étais très sceptique à la fin de la démo de Duskae. J'étais là en mode ouais, bon bah c'était chouette. Bon, j'y ai rejoué après bien sûr avec la mise à jour où on pouvait faire les combos avec les autres personnages, etc. Mais j'étais pas séduit par le système de combat, j'étais pas séduit par l'ensemble de ce qu'il proposait. Platinum Demo m'a un peu réconcilié avec Final Fantasy XV. J'attends de voir beaucoup plus, de voir plus de gameplay, surtout le menuing, parce que le menuing de Duskae était inexistant, là c'était quasiment inexistant aussi. Enfin même là, celui qui était là et présent était très très léger, mais ce que je peux dire c'est qu'il est beau, qu'il est agréable et que ça fait rêver. Et moi je vous dis à plus, allez salut, c'était JB.